Alors qu'il n'y a pas un énorme pressing hein, de la part des Parisiens, donc il y aurait de quoi peut-être jouer. Oh, attention, oh, attention de Gomez pour Dylan Saloui, l'égalisation troyenne sur un ballon perdu par Youssoupha Ndiaye, le remplaçant d'Ousmane Kanté. La relance plein axe qui est manquée et derrière forcément trois en leader répond et égalise un but partout. Les Parisiens étaient sereins, on le disait, ils ne le sont plus. Oui, effectivement, parce qu'il n'y avait vraiment pas une grosse pression, une tentative comme ça, plein axe. On se demande un petit peu pourquoi il est allé chercher cette position-là. Le contrôle, il est raté. Hein. Et c'est ça qui fait là aussi la différence. C'est ça, hein, Clément. C'est fou parce que d'un contrôle raté, ça peut faire un dribble qui finalement vous dégage un espace que vous n'aviez pas prévu de jouer. Et puis derrière, très très bon ajustement. Ah mais la passe de Dingomé aussi, me souffle Mathias Duchet dans mon oreille, elle est parfaite, elle est dans le bon rythme. Oui, mais regardez vitesse. Le contrôle, regardons le contrôle. Oui, bien sûr. Denis va nous le montrer, c'est un contrôle raté. C'est alors tant mieux.